Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, on charme les sabots, ça coupe par pain, grosse cette crasse. Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un fucking passage de Prestige Maître, les gars. Le Prestige 16. Voilà, donc je me suis dit, hier soir je l'ai passé en compagnie d'abonnés et plus trois gars de ma team. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo. En fait, je réquais. Et j'ai dit, tiens, allez, on va faire une petite vidéo. Et voilà, elle est là, cette fucking Obsidian. Comme vous avez pu le savoir, pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, je n'ai jamais eu l'Obsidian avec 15 jours de jeu, avec mes 3 comptes confondus. Je n'ai jamais eu l'Obsidian. Donc voilà, honnêtement, je la ramassais souvent par terre. Et voilà, j'étais là et quand je la ramassais, j'enchaînais des séries et tout. Tu vois, je me suis dit, putain, cette arme, elle déboîte sa mère la chienne. Et franchement, là, ça fait plaisir, un truc de psychopathe. En plus, juste ça, je vois la vidéo avant, un petit peu avant, de Gotaga qui a mis 120€ pour l'obtenir. Moi, j'ai envie de te dire une petite dédicace, Gotha. Tu vois, tu réjouais tes prestiges normal, tu aurais eu 0€. Enfin, tu aurais dépensé 0€. Bref, franchement, c'est impressionnant. Moi, j'étais. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'arme et aussi un petit peu du gameplay. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est mon ratio. Vous avez vu un 52 de ratio, 380 par minute, je crois, il me semble. Bref, c'est mon ratio classique avec ma team OCB. Petite plaquette aussi en or qui va bien. Voilà, donc première partie, je tiens à préciser que je joue sans accessoires, donc la balle 27 toute nue, c'est-à-dire il n'y avait rien dessus. Parce que sur les anciens prestiges, quand on passait les prestiges, en fait, on perdait la poignée, les accessoires, tout, en fait, tout le bordel. La petite particularité, ben, comme vous avez pu le voir, j'ai aucun accessoire parce que ça faisait très très longtemps, j'ai passé 3 ou 4 prestiges sans jouer à la balle 27, donc forcément j'avais plus d'accessoires, plus rien. Je jouais beaucoup avec la Speakeasy, la SME Speakeasy qui est une très très bonne arme et que j'étais très très fier de l'avoir aussi parce que franchement, quand vous tombez contre des RIP, des balles 27 Obsidian, des Inferno, des Insanity, que vous avez juste une pauvre SME classique, j'ai envie de vous dire que la SME, la Speakeasy m'a vraiment 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 rendu service pendant 2-3 mois, sinon je crois que je prenais le jeu, je le cassais en deux parce que franchement, quand on joue contre. Avec mon compte RB, tu vois, pour me décontracter, décompresser, ça va, tu joues avec des armes normales, c'est tranquille, tu vois. Mais quand tu joues sur ce compte-là, qui est un compte où, ben voilà, tu tombes sur des gars qui ont le même niveau que toi, forcément, quand tu n'as pas d'Obsidian, ni d'Insanity, ni d'Inferno, ni de AK-12 RIP, franchement, heureusement que j'avais la SM1 Speakeasy, parce que franchement, tu vois le truc, casser le jeu, quoi, c'est un truc de psycho, quoi. Tu tombes que des mecs qui ont des Obsidian, quand tu joues avec des. Un ratio correct, normal on va dire. Tu tombes que sur des mecs qui jouent avec des armes élites quoi. C'est un truc de psychopathe quoi. Et les mecs ils te déboîtent. Et honnêtement, cette arme là, je peux vous dire un truc les gars. Vous la voyez là? Je ne la lâcherai plus. C'est à dire, je vais passer les autres prestiges. Et une arme aussi que je me languis, mais alors énormément parce que je vais pas trop vous donner trop de renseignements pour un petit peu, tu vois, pour que les vidéos. Mais d'après ce que j'ai su, je me suis renseigné un petit peu, d'ailleurs c'est un pote de ma team, dédicace à toi Mickey. Il m'a dit en fait, quand on passe le Prestige 16, on débloque l'Obsidian. Prestige 17, c'est la Goliath les gars, la MP11 Goliath. D'autant quand tu vas avoir la Goliath et l'Obsidian, mais levez-vous du milieu sur le multijoueur. Moi je vous le dis, vous allez en chier quand vous allez tomber contre moi. C'est sûr, certain, vous allez en baver mon pote. Parce que la Goliath, quand je vais la débloquer, il y aura déjà le grand chargeur, il y aura déjà la poignée avant. Il ira déjà peut-être le tir rapide en plus. Tu vois, un gros genre mode Goliath, gros énervé, frère. Franchement, celle-là, dans le combat, quand vous allez me croiser dans le combat avec la MP11 Goliath, moi je vous dis, serrez les fesses, les gars. L'anus, il faut qu'il soit comme ça, tout petit, frère. Parce que quand tu vas me voir débarquer avec la Goliath, tu peux me mettre qui tu veux en face, je te le dis. Bref, voilà, aujourd'hui, pour vous dire que c'est pas une game exceptionnelle. C'est une game, bah, j'allais dire, classique. Quand on joue en. Comment ça s'appelle, quand on joue avec un ratio normal, avec un compte principal, quoi, avec je vais faire 34-10, c'est vraiment pas énorme, mais bon, j'avais pas de drone rouge, enfin voilà, c'était drone avec les cadenas, fait tout bloqué, quoi, pas de double bombarde,
aucun accessoire. Et moi, je peux vous dire un truc, que je suis vachement handicapé avec la balle 27 parce que j'adore jouer avec les fusils d'assaut, avec la crosse. Et honnêtement, quand j'ai pas la crosse, je me sens figé comme un poteau. Et honnêtement, je n'arrive pas à jouer. Et là, je trouve, franchement, j'ai fait une partie assez correcte, un 34-10 sans accessoire, avec mon code principal, avec ma team. Ça fait plaisir. Donc, une petite dédicace aussi au passage aux deux abonnés qui étaient avec moi, qui ont fait des sacrés bordels dans cette soirée, et aussi à un troisième abonné, Reflex720, c'est un petit youtubeur de 1000 abonnés. Voilà, je tenais à lui faire un petit coup de pub parce qu'il y a un mec, je le connais depuis un moment, c'est un abonné à moi qui me suit, mais vraiment, vraiment depuis le début de ma chaîne. D'ailleurs, je crois que quand il a commencé à me suivre, il n'était pas youtubeur encore. Et honnêtement, c'est un petit jeune, voilà, j'ai joué avec lui toute la soirée hier et tout, franchement. Bah, respect, le mec, tu vois, il est à fond dans son truc. On a parlé un peu de YouTube, moi et lui et tout. Et franchement, voilà, le mec, il se casse le cul. Il fait des heures de montage, des d'ici de là. Et je suis allé, franchement, je suis allé voir un petit peu sa chaîne et tout. Tu vois, j'ai pas liké et tout. J'ai pas fait le mec, tu vois, genre en gros, qui a voulu donner un coup de pouce et tout. Et parce qu'honnêtement, maintenant, même quand je like une vidéo, ça ramène pas grand chose. Mais voilà, je me suis dit, je vais faire un petit coup de pub. C'est Reflex720. Voilà, si vous, je mettrai en cas le lien de sa chaîne dans la description. C'est un bon petit jeune et franchement, voilà, il est motivé, il fait de la qualité au niveau des vignettes, des vidéos, il est assez fun et tout, il fait du Call of Duty, il fait un petit peu de tout, du GTA je crois aussi. Donc voilà, si vous pouvez passer faire un petit tour juste sur sa chaîne, il a 1100 et quelques abonnés, même s'il prendra une petite vingtaine d'abonnés, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont aimer un petit peu ce style de vidéo. Donc ça me ferait vraiment énormément plaisir et je pense que voilà, c'est une petite dédicace. Je lui ai pas dit que j'allais lui faire une dédicace, tu vois, et au moins ça sera la surprise dans la vidéo parce que je sais que c'est un abonné fidèle et qu'il regarde toutes mes vidéos. Et voilà, déjà je sais qu'il était super heureux de savoir qu'il allait passer sur ma chaîne parce que bon, il était avec moi ce jour-là où j'ai passé le prestige. Et voilà, donc ça me fait énormément plaisir. Et reparlons de cette obsidiane, franchement les gars, c'est une fucking tuerie cette obsidiane. La vie de ma mère, je comprends maintenant pourquoi les mecs ils m'alignent en deux balles avant quand je jouais avec mes pauvres AK-12 RIP ou mes pauvres ASM1. Ou... C'est une boucherie, les gars. Je vous dis la vérité, c'est kiki dur direct, les gars. C'est un truc de ouf, la obsidiane. Il y en a plein, ils vont me dire, Hampton, on l'a déjà depuis longtemps et tout. Mais gros, moi j'ai passé 15 jours sur Advanced Warfare 2 jeu sans l'avoir, tu vois, la ramasser par terre. Et j'avais des potes de ma team qui l'a débloqué comme ça dans des colis, dans des largages, des machins, des trucs de fou. Il y a plein de ma team qui l'ont et moi je l'ai jamais eu. Et là aujourd'hui, kiki dur, les gars. Tonton, il a kiki dur. Après, je vais parler d'un petit sujet qui m'a. Je vais pas trop donner mon avis parce que j'ai pas envie de mettre des forcément. Je vais peut-être pas être d'accord avec certaines personnes. En fait, le sujet de cette vidéo, c'est au niveau des colis payants. Vous avez vu là, comme beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo de Kotaga qui a fait le buzz, 120€ pour débloquer l'obsidiane. Donc en fait, il a mis. Kotaga, il a acheté en fait pour 120€ de colis payants, c'est-à-dire que pour obtenir des armes élites, il a dépensé 120€ qui ne sont pas ces 120€, enfin si c'est les siens, mais c'est des dons des abonnés. Moi, pour ma part, je veux pas mettre les gens à dos ni rien, mais pour ma part, je trouve quand même un peu abusé d'avoir utilisé l'argent des abonnés pour ouvrir des colis. Alors qu'au final, tu passes ton Prestige 15 Master et tu as l'Obsidian qui se débloque automatiquement au Prestige 16. Donc en fait, aujourd'hui, je suis pas là pour débattre sur Kotaga, ça. C'était juste un petit avis. Est-ce que vous... Je sais pas, en fait, j'ai parlé un petit peu de ça hier avec mes abonnés, justement, et un peu les gars de ma team. On en a débattu pendant presque... D'ailleurs, sur cette partie-là et sur l'autre partie, on en a débattu. Et je voulais savoir un petit peu votre point de vue. Au niveau de cette vidéo, quand on voit qu'il achète pour 120€ de colis, alors que c'est tout le monde sait très bien qu'un petit pognon voilà, fait ça pour du pognon. Et je trouve ça complètement, moi perso, c'est pas question, l'argent, il en fait ce qu'il en veut, tu vois. Mais c'est le principe d'avoir donné 120€ à un petit pognon comme ça, c'est franchement, moi ça m'a un peu écœuré, quoi, tu vois, pour une arme. J'aimerais bien savoir votre point de vue, en fait, je suis assez curieux, tu vois, Tonton, des fois, il aime bien savoir un peu le point de vue des gens, pour voir si je suis le seul à penser certaines choses ou pas, tu vois, et aujourd'hui, j'attends de vous de voir quelle a été votre première impression quand vous avez vu cette vidéo, parce que je pense que nombreux d'entre vous l'ont vu, de claquer 120€ en l'espace de ouais, la vidéo elle a duré quoi, 10 minutes, de te claquer 120€ en 10 minutes. Au final, c'est une vidéo qui fait le buzz quand même, parce que bon, elle fait pas mal de vues par rapport à ses autres vidéos habituelles. Et
Mais sans parler de buzz, c'est juste voilà, d'avoir donné les 120 euros à Tipoignon comme ça, juste pour débloquer. Moi je trouve ça vraiment malsain qu'on puisse acheter des coffres élites. Je pense qu'à la rigueur, ils auraient plutôt Activision à choisir. Moi perso, j'aurais fait par exemple aller vraiment en étant large, tu vois, en étant vraiment souple avec Activision, tu vois, en étant soft. J'aurais préféré qu'ils, par exemple, qu'ils mettent les armes élites à vendre au détail, ou alors qu'ils fassent un système qu'on puisse échanger, tu vois, avec par exemple, moi j'ai des collègues, ils ont deux fois l'obsidiane, j'ai un collègue, il a trois fois la speakeasy, et il y en a qui n'ont jamais eu l'obsidiane ni la speakeasy. Donc pourquoi pas faire un système, tu vois, d'échange, même d'échange entre partenaires, tu vois, de se connecter avec un compte ou quoi, de faire des transferts d'armes. Ça, mais certes, les sous ne rentrent pas dans les poches d'Activision en faisant des échanges. Donc ça serait on va dire, un rêve impossible. Mais moi, je pense qu'ils auraient dû faire plutôt un style, à la rigueur, faire comme tu achètes les exos, les camouflages. Ben allez, au pire des cas, acheter 5 euros une arme, tu vois, 5 euros, bon ok, c'est 5 euros, mais on te demande pas d'acheter toutes les armes. Après, si vraiment t'en veux une seule pour jouer à Call of Duty, que t'achètes une arme 5 euros, tu l'as et on n'en parle plus, tu vois, t'es pas là à ouvrir 40 colis, t'en bats les couilles des colis après quoi. Mais de là à faire des colis payants, 20 euros mon pote, 20 euros, tu te rends compte ce que c'est? 20 euros, putain, sérieux ça, 20 euros le largage, enfin il y a plusieurs largages, je crois qu'il y en a, je sais pas combien là-dedans. Bref, moi j'ai trouvé ça écœurant, donc en fait le sujet aujourd'hui de la vidéo, les gars, mettez-moi dans, pour ceux qui veulent, hein, vous n'êtes pas obligés, qu'est-ce que vous en pensez de mon idée? C'était pas plus simple, je trouve, de faire payer en option des armes, tu vois, à la rigueur, même 2,90€ ou 3€ ou 5€, tu vois, que de faire vraiment des colis de largage à 20€, mon pote. 20€ le colis, quoi, tu ouvres, t'as des survêtements et des slips, quoi. Franchement, c'est abusé, quoi. Et le nombre de gens qui vont mettre de l'argent, moi, si je peux vous donner un conseil, les gars, je vous le dis, là, je vous parle en tant que presque papa ou tonton, ne mettez surtout pas 20 balles dans cette putain de colis, quoi. Passez vos prestiges, limite, allez, faites comme moi, passez le prestige 16, débloquez cette fucking Oxygen, si vous voulez, ou la Goliath au prestige 17. Après, c'est le sniper, le Silver Bullet, là, en prestige 18. Après, je sais pas exactement c'est quoi les autres armes, mais en gros, tu débloques un petit peu toutes les armes. Mais les gars, si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, franchement, n'achetez surtout pas, ne mettez pas 20 balles dans ces putains de colis, quoi, c'est un truc de dingue, quoi. Après, Gotaga, les amis, parce que ça a été des dons qui ont été faits sur Twitch et tout, donc c'est son argent, mais on va dire que c'est pas le sien directement, c'est ce qu'on lui a donné. Donc je respecte son choix, après il a fait ce qu'il veut. Et en même temps, j'aurais mis quand même un petit avertissement, tu vois. Vraiment les gars, ne mettez pas 20 euros dans des coffres, c'est la petite, putain la vidéo est déjà finie. Ne mettez pas 20 euros dans les coffres, c'est le conseil de tonton. Et dites-moi dans les commentaires surtout, vous voyez, petite partie 34/10, bon j'espère que le gameplay vous aura plu, c'est pas un fucking carnage, mais c'est mon compte principal avec la obsédée. Dédicace à Reflex 720, putain j'ai pas vu les autres, non bon, bref, les deux autres abonnés, et au gars de ma team. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un max de likes, les gars. Si vous voulez l'autre épisode pour le Prestige 17 avec la Goliath, je suis pas encore, mais je vais le passer bientôt. Donc n'hésitez pas à mettre un max de likes. Faites un tour sur les vidéos précédentes et n'oubliez pas dans les commentaires, les gars, mettez-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 120 euros dépensés dans le colis au niveau de la vidéo de Gotaga. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous trouvez qu'un petit pognon abuse? Enfin voilà. Mettez-moi vraiment tout ce que vous pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous dis de passer un bon fucking week-end. Moi, je suis avec ma fille ce week-end. Je vais bien en profiter. Ça fait 15 jours que je ne l'ai pas vue. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et bon week-end à tous. Et ciao les gars!